Emily, we trust. In Tupac Owens, Ford, we trust. Il y a un gars qui s'occupe de sa carrière. Donc ce garçon-là, même à 13 ans, ne pouvait pas vous dire je vais l'amener à gauche-droite. Il y a un gars qui va dire non. Moi, je préfère qu'il aille là parce que là, ce sera bien pour son image. Donc vous voyez, ça veut dire que ce sont des gens que nous n'avons pas eu avant. Maintenant, nous les sollicitons à venir. Et maintenant, il y a, même si lui, il a envie, il a quand même quelque chose, un plan de carrière. Il faut maintenant que le Congo puisse rentrer dans son plan de carrière. Il faut que le Congo puisse l'aider à arriver à son plan de carrière. Et nous, maintenant, si le Congo doit comprendre une chose, c'est que si lui réussit sa carrière, nous, on est mieux. On est mieux. Ça veut dire que le Congo est mieux grâce à ça. Ça veut dire que le Congo va se dire, aujourd'hui, Jires Kembo était avec nous, on l'a poussé, il est à Manchester City. Comme on voit les Drogba, il est à Chelsea. C'est ça qui nous donne de la valeur. Donc, mais maintenant, nous, il faut qu'on lui dise que si tu viens sur le Congo, tu ne vas rien perdre. Ça veut dire que le Congo, regarde, on va participer à la Coupe d'Afrique. Tu vas venir, les gages de sécurité seront tels. Tu vas être payé à temps, ton billet va arriver à temps, ta convocation arrivera à temps. Tous ces trucs-là qui arrivent, si toutes ces conditions sont réunies, petit à petit, nous allons avoir des gens qui vont commencer maintenant à se dire, même si je viens pour le Congo, je ne perds pas mon temps et je ne perds pas beaucoup pour ma carrière. C'est cru, hein, parce que les gens vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils croient, Bakary signé, ni... Non, mais c'est la réalité du football maintenant. C'est la réalité. C'est triste à dire. Aujourd'hui, tu as un enfant que tu abandonnes, que tu n'élèves même pas. Tu attends, il arrive, il a une maison, il est marié, il est bien, tu reviens, moi je suis ton père. Ah, je suis ton père et tu me dois parce que je suis ton père. Non, les choses n'avancent pas comme ça. Si par exemple, pendant ce moment-là, tu lui as payé l'école pendant que ça, même si tu n'étais pas avec lui, tu as pu participer au moins ne fût-ce qu'à un tout petit peu de son parcours. Ce jeune-là, avant de faire un choix, avant de dire, il aura de se dire, mon pays m'a quand même aidé à un moment donné. Ils se sont intéressés. Et là, on va donner le choix à ces jeunes-là. Pas comme on arrive maintenant, il y a des joueurs qu'on essaie de contacter, mais qui n'ont aucune attache avec nous. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, moi je suis sûr, vous allez voir un Wilson Kamavaka qui a joué contre le Bayern à Nuremberg, on l'a eu, il a le choix dans sa tête. Un Ziggy Badibanga, qui est Anderlecht, des gars comme on est en train de parler, des joueurs comme, je ne sais pas, Dieu merci Dongala, il y a des gamins que nous avons eus qui sont maintenant en train de passer professionnels. Ce sont ces jeunes-là, si on va leur parler, ils ne peuvent pas être ingrats en se disant, le Congo, moi non, non, ils vont venir, ils vont quand même... Écoutez ce que le Congo leur propose. Parce qu'à un moment donné, le Congo est venu les aider dans leur carrière. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Parce que le football, maintenant, ce n'est plus les sentiments. Le football, ça reste un business. Le football, c'est... Voilà, on a beau se dire, là, le Congo, la fierté de mon pays... Oui, c'est bien beau, mais ça reste quand même un côté donné. C'est que le gars, il a sa carrière. Il y a sa famille qui est dedans. Il y a les gens qui comptent sur lui. Avant qu'il fasse le pas, il faut vraiment que nous ayons toutes les gages de sécurité. Ça veut dire que le jeune, sachant qu'il vient jouer pour le Congo, ça ne va pas l'empêcher d'arriver à jouer, je ne sais pas, à Liverpool, d'avoir une grosse carrière. Donc c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, le Ghana le fait. Je crois que nous aussi, on doit arriver à le faire. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2013. Le dernier tour qualificatif est prévu à partir du mois de septembre prochain pour la manche aller, le mois d'octobre pour la manche retour. Et le tirage au sort de ce dernier tour qualificatif aura lieu le 5 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et sur les 30 nations de football qui seront concernées par ce tirage au sort du dernier tour qualificatif, 29 sont déjà connues, parmi lesquelles figure la République démocratique du Congo qui va donc prendre part à ce dernier tour qualificatif grâce à sa belle victoire au précédent tour devant les Seychellois. Et le dernier qualifié sera connu le samedi 30 juin prochain.